Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons répondre à cette question. Comment surmonter l'inquiétude dans nos pensées? Et ça fait référence au chapitre 6 de Matthieu qui nous parle d'inquiétude. Le Seigneur Jésus nous dit au verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Les temps d'épreuves et de difficultés ont ce potentiel de nous rapprocher de Dieu ou de nous en éloigner. Dans les temps les plus difficiles, les gens font deux choix, les chrétiens font souvent deux choix. Soit ils vont s'approcher de Dieu parce qu'ils trouvent en Dieu un réconfort, ils trouvent en Dieu leur appui, ils trouvent en Dieu une force. Soit ils vont s'éloigner de Dieu, accusant Dieu peut-être, étant déçu de Dieu, étant tellement triste qu'il manque d'espérance, de foi, et alors ils vont s'en éloigner à ce moment-là. Nul ne peut servir deux maîtres, ou il va haïr l'un et aimer l'autre, ou il va s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Comment on peut surmonter l'inquiétude? Il est évident que plus nous allons nous attacher au Seigneur Jésus-Christ, plus il sera difficile pour nous de nous inquiéter. On peut voir le Seigneur Jésus-Christ au milieu d'une tempête. Les disciples sont paniqués, ils sont affolés. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il dort. Alors, il est en train de nous montrer un exemple. Il est en train de nous montrer un style de vie. Il est en train de nous montrer un modèle. On peut être en pleine tempête, on peut être et avoir envie de se laisser aller à l'inquiétude, être tourmenté dans nos pensées. La tempête peut travailler, agir avec force tout autour de nous pour nous ébranler et on peut dormir dans la paix et dans la tranquillité. Oui, la parole de Dieu déclare, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Nous pouvons choisir le calme et nous pouvons choisir la confiance, la tranquillité dans notre cœur. Nous pouvons surmonter l'inquiétude comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a surmontée. Nous pouvons être au cœur de la tempête et pourtant dormir en paix. Nous pouvons avoir des circonstances difficiles, terribles, et pourtant avoir la joie dans notre cœur, à cause de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes tentés de nous inquiéter, parce que c'est une tentation, nous pouvons faire le choix de la présence de Dieu. Quand nous sommes tentés de nous inquiéter, nous pouvons faire le choix de Jésus. Et le Saint-Esprit va nous pousser vers Jésus-Christ. Le Seigneur nous prendra au milieu de nos inquiétudes, au milieu du bouleversement de nos pensées, pour nous amener plus haut, pour nous élever plus haut, pour nous amener à penser comme il pense et à voir comme il voit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel. Parfois, on ne prend pas assez de temps pour nous plonger dans ce que le Seigneur nous dit. On ne prend pas le temps de regarder. On a peut-être tous lu ce passage, et peut-être qu'on n'a jamais pris le temps de regarder les oiseaux manger. Parce que Dieu les nourrit. Est-ce qu'on peut plonger ensemble dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut plonger dans sa parole au point où on est rassuré, au point où notre cœur est confiant, au point où notre cœur est en paix? Est-ce qu'on peut plonger assez profondément dans la présence de Dieu au point d'être paisible, au point d'être tranquille, au point d'être rassuré, au point d'être confiant? Les gens vont dire qu'on est fou. Et pourtant, c'est la sagesse de Dieu.
Les gens vont peut-être paniquer partout autour de nous dans le bateau de la vie. Et nous, on va dormir. Pourquoi ? Parce que le Seigneur s'occupe de nous. Parce que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que le Seigneur a promis d'être avec nous, même dans les mauvais jours. Et qu'il ne nous abandonnerait pas, qu'il ne nous délaissera pas, mais qu'il serait avec nous. Il dit, même si ta mère, ton père t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. Nous n'avons aucune raison de nous inquiéter parce que le Seigneur est avec nous. Et en réalité, on s'inquiète beaucoup parce qu'on vit trop. Mais si nous nous cachons en Christ, alors que nous sommes morts en Christ, comment un mort pourrait s'inquiéter? Comment un cadavre pourrait s'inquiéter? Quand son cœur arrête de respirer, arrête de battre, il n'y a plus d'inquiétude. Il ne s'inquiète plus. Et de la même façon, alors que nous sommes morts en Christ, il n'y a plus d'inquiétude. Plus il y aura de nous, plus il y aura d'inquiétude. Moins il y aura de nous et plus il y aura de lui, les inquiétudes vont disparaître. Plus de nous, plus d'inquiétude. Moins de nous, moins d'inquiétude. Jésus dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ?» Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Il dit, « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus ?» Car ça, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. L'inquiétude va souvent se manifester par des paroles. Les gens inquiets vont parler. Ils vont parler de leurs inquiétudes. Ne parle pas de tes inquiétudes. Ne confesse pas, ne déclare pas tes inquiétudes. Déclare la foi. Proclame la foi. Proclame la parole de Dieu. Parce que la parole est pleine de force. Il est écrit dans le psaume au chapitre 12, au verset 7, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre, et cette foi épurée. » Nous pouvons avoir confiance en la parole de Dieu. On peut lui faire confiance parce qu'elle ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Il arrivait un temps où Ézéchias, le roi Ézéchias, était dans l'inquiétude. Même le prophète avait dit « Tu vas mourir ». Il était inquiet et il a fait une prière. Il s'est donné dans la prière, il a dit de grâce éternelle, « Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. J'aimerais vous dire qu'on ne sait pas toujours la bonne façon de prier. On ne sait pas toujours comment ne pas s'inquiéter. On ne fait pas toujours la bonne chose. Et peut-être même qu'Ézéchias n'a pas fait la meilleure des prières. Apparemment, il n'était pas forcément dans la foi. Mais Dieu a répondu. J'aimerais vous dire, des fois, on regarde trop à la façon de faire. On imagine qu'avec Dieu, c'est un schéma tout fait. 1 plus 2 égale 3. On s'imagine qu'il faut avoir la bonne prière, qu'il faut faire la bonne chose. En réalité, Dieu nous aime tellement qu'avant qu'on ait fait quoi que ce soit de bon, qu'avant qu'on ait même prié, qu'avant qu'on ne l'ait recherché, il avait déjà tout préparé à l'avance. La Bible déclare « Je me laisserai trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. » Frères et sœurs, on vit dans la grâce de Dieu. Les inquiétudes, elles arrivent. Les inquiétudes, elles pourront passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Rien ne passera de ce qui est écrit dans les Écritures. Parce que le Seigneur Jésus est la parole. Et la parole est venue dans ce monde. Elle a habité parmi nous. Il est important qu'on puisse mettre, frères et sœurs, notre confiance et notre foi en la parole de Dieu. Cela ne va pas dire qu'il n'y aura jamais de doute. Cela ne va pas dire que comme Pierre, à un moment, on ne va pas s'enfoncer. Et on est fort en tant que prédicateur, en tant que chrétien, de montrer l'erreur de Pierre, de montrer que Pierre, ben, il a douté. Il a regardé le vent. On sait, il n'aurait pas dû regarder le vent, mais il l'a regardé. Il n'aurait pas dû le regarder, mais il l'a regardé. Et il a commencé à sombrer. Mais j'aimerais vous rappeler que même quand il a commencé à sombrer, le regard bienveillant du Seigneur Jésus-Christ était plus fort. La bonté et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus était plus fort que le doute de Pierre. Alors c'est vrai, il ne faut pas s'inquiéter et il ne faut pas agir sur l'inquiétude car c'est un péché.
Mais il faut avant tout laisser la place à la bonté, à la grâce et à l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Comment surmonter l'inquiétude dans nos pensées ? C'est en laissant la place à Jésus-Christ. On pourrait étudier, on pourrait aller en profondeur, on pourrait essayer de trouver, de raisonner, de comprendre. Mes frères et sœurs, il y a une chose qu'on doit comprendre par-dessus tout. Et par-dessus toutes les études sont une fatigue pour le corps, dit l'Ecclésiaste. Mais il y a quelque chose dont on ne se fatigue pas. Il y a quelque chose qui ne se fatigue pas. Le Seigneur dit quoi ? Je veille. Moi, je ne sommeille ni ne dors. Celui qui veille sur Israël. Oui, Pierre, il a fait la mauvaise chose. Il a regardé au vent. Il a eu peur. Il a commencé à sombrer. Mais j'aimerais vous dire que même si tu as commencé à sombrer, même si tu as commencé à t'inquiéter, même si tu as l'impression, comme les disciples, que c'est fini, que Jésus dort, il est là. Alors on a le cas de Pierre qui regarde la tempête, le vent, et qui commence à sombrer, à s'enfoncer dans l'eau. Les disciples dans la tempête, qui ont peur, ils s'affolent et ils crient. Mais quand ils font appel au Seigneur Jésus-Christ, ils parlent, ils disent une parole, et c'est terminé. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de ma foi. Il ne s'agit pas de ta foi. Il s'agit de celle de Dieu. Il s'agit de laisser la place au Seigneur Jésus-Christ dans nos circonstances difficiles et de lui faire confiance. Bien sûr, il est important pour surmonter l'inquiétude d'être des hommes et des femmes de foi, d'avoir confiance, mais non pas en notre propre foi, non pas en notre propre capacité, mais en la capacité de Dieu. Et je suis certain qu'au fond du cœur de Pierre, quand il a commencé à s'enfoncer, il a fait appel à Jésus-Christ. Il a espéré que Jésus fasse quelque chose. Il a désiré que Jésus fasse quelque chose. Comme les disciples qui, au sein de la tempête, ont regardé à Jésus, ils ont dit, « Mais tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. » Non, Jésus ne s'inquiétait pas. Mais ils ont fait un appel à Jésus. Ils n'ont pas appelé Jésus comme il l'aurait fallu. Ils l'ont bousculé. Ils l'ont un peu déshonoré. Ils l'ont un peu méprisé, comme si c'était un homme de rien. Ils l'ont secoué. Ils lui ont demandé de s'inquiéter. Ils n'ont pas agi comme il fallait. Et pourtant, frères et sœurs, la finalité, c'est quoi ? C'est que la tempête s'est arrêtée. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, peut-être que tu ne fais pas la bonne façon. Peut-être que tu ne fais pas la bonne chose. Peut-être que tu n'as pas le meilleur moyen. Peut-être que tu n'es pas, entre guillemets, le meilleur des chrétiens. Peut-être que tu n'as pas la meilleure des fois. Mais si seulement tu crois, si seulement tu lui fais confiance, tu seras guéri dans tes pensées. Tu seras libéré dans tes pensées. L'inquiétude partira. L'inquiétude s'en ira. L'inquiétude s'envolera. Parce que lorsqu'il vient, il vient régner. Lorsqu'il vient, il prend la place. Et notre désir, notre volonté, notre devoir à ce moment-là, c'est de résister à l'inquiétude. Résiste à l'inquiétude. Refuse dans ta vie l'inquiétude. Ne te soumets pas à l'inquiétude. Dieu dit au prophète Ézéchiel, « Fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. » La rébellion, c'est tout ce qui refuse de se soumettre à Dieu. Dieu dit, ne sois pas rebelle. Soumets-toi. Humilie-toi. Dieu dit, voici que j'endurcis ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcis ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas et ne t'épouvante pas devant eux, car c'est une famille de rebelles. Je ne sais pas ce qui t'épouvante. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Mais je sais une chose. Le Seigneur est dans la barque. Le Seigneur est plus fort que cette inquiétude. Le Seigneur est plus fort que ce tourment. Le Seigneur est plus grand que ce problème. Le Seigneur est plus fort, plus grand que cette maladie. Le Seigneur a une plus grande autorité que celle d'aucun démon. Il a écrasé l'ennemi.
Alors peut-être dans ce moment de prière, tu veux ne plus regarder à ces circonstances, à ces inquiétudes, même à ta propre foi ou à ta connaissance, mais juste tourner tes regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te pardonne. Tu n'as peut-être pas fait les choses comme il fallait. Peut-être même dans la prière, tu as accusé Dieu. Tu en as voulu à Dieu. Et le Seigneur te pardonne. Car sa bonté et son amour sont plus grands que tes fautes. Père, nous voulons aujourd'hui faire confiance en ta parole et nous appuyer sur ta parole. J'appelle ta grâce encore, Seigneur Jésus-Christ. Ta grâce dans nos vies. Nous refusons de nous inquiéter. Nous refusons l'inquiétude. Nous refusons de parler l'inquiétude, de déclarer l'inquiétude dans nos vies, dans nos maisons. Nous faisons appel à toi. Comme Ézéchias a fait appel à toi, comme Pierre a fait appel à toi dans son cœur, comme les disciples ont fait appel à toi, ils n'ont pas fait de la bonne façon. Et pourtant, il y avait cet homme à la porte, la belle. Il n'avait jamais marché. Il n'a pas fait de la bonne façon. Il s'attendait à recevoir de l'argent. Il n'a pas fait de la bonne façon. Et pourtant, quelques instants après, il était en train de sauter de joie et de te louer, de t'adorer. Saint-Esprit, illumine les yeux des cœurs, s'il te plaît. Fais-nous monter plus haut. Avoir les mêmes pensées que toi. Merveilleux Saint-Esprit. Marie, la sœur de Lazare, n'a pas fait de la bonne façon. Et pourtant, Lazare est ressuscité. Précieux Jésus-Christ, ta grâce, ton amour et ta bienveillance sont plus grands que nos inquiétudes, que nos imperfections, que nos faiblesses. Là où tu es, mon frère, ma sœur, invite le règne du Seigneur Jésus-Christ dans tes pensées. Il connaît tout de toi. Il sonde les profondeurs de tes reins, les profondeurs de ton cœur. Tu as peut-être commencé à sombrer, c'est vrai. Par erreur, tu as regardé la tempête, le vent. Tu t'es peut-être affolé dans la prière, sans foi. Tu as bousculé le Seigneur. Et pourtant, il est prêt à te délivrer. Il est prêt à te sortir de là.
Oui, il s'est fait connaître à un peuple qu'il ne cherchait pas. Et il nous a aimés le premier. À combien plus forte raison ? Il nous libérera et nous délivrera. Seigneur, nous t'invitons à régner. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos pensées. Prends toute la place. Prends toute la place. Nous choisissons la foi. Nous choisissons de regarder à toi. Nous ne voulons pas servir l'inquiétude. Nous ne voulons pas servir maman. Nous ne voulons pas servir ce qui déplaît à ton cœur. Nous ne servirons pas la tempête en nous soumettant à elle, en la regardant, en parlant d'elle. Nous nous soumettons à toi. Nous regardons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Prends la place. Prends la place, Seigneur. J'ai l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand les justes crient, l'Éternel entend
et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur s'est réjoui en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi. Oui, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Seigneur, merci pour ta provision. Merci pour la guérison. Merci pour la bénédiction. Merci pour ta présence. Nous déclarons, Seigneur, sur nos vies, sur nos corps, sur nos enfants, sur nos maisons, sur toutes choses, que tout va bien. Nous déclarons que tout va bien parce que tu contrôles et tu règnes. Nous choisissons la foi aujourd'hui. Nous refusons l'inquiétude. Nous refusons la peur car tu nous délivres de la peur et de l'inquiétude. Car tu nous délivres de nos ennemis et nous sommes plus que vainqueurs en toi. Sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes béni au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Regardez au Seigneur, vous n'aurez pas à rougir.